Et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire, semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provoque d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Alors, on y va. Oui, il y a toujours des failles dans les plans. Il manque quelque chose. On t'écoute, Amelin, vas-y. Le plan. Le plan ? Oui, on refait le plan. Personne n'a alors... si, si, alors. Le plan, il y en a deux qui se font inviter. Ils font quoi ? On va essayer de... Du chanvre, pardon. Ouais, du chanvre. Florian, vous vous faites inviter, si j'ai bien compris, au niveau du bal masqué. Déjà, essayez... Ouais. Essayer d'embêter un peu les personnes avec, je sais pas, du poisson ou le chanvre ou des choses comme ça. D'attirer l'attention, ok. Mais par contre, restez pas loin quand même du bureau. Après, Léonore et moi, on est, alors moi, j'essaye de passer discrètement dans les jardins, balancer mon petit pétard. Parce que les gardes devraient accourir. Et du coup, Philomène lance, Léonore lance le grappin par le balcon du bureau. Elle fouille la pièce, le bureau, la chambre si elle trouve pas l'autre. Après, elle se change. Elle essaye de, avec l'aide de ceux qui sont restés près de la porte, de sortir. Et vous essayez de sortir. Elle passe le disque à quelqu'un qui va essayer de sortir discrètement. Et on se retrouve à la gondole. En fait, théoriquement, ça va être toi, Amelin, qui va récupérer. Je pense, c'est le plus. Oui. Tu seras déjà dans le jardin. Donc ouais. Tu vas récupérer le colis que tu passes, Léonore, et après tu. J'essaye de fuir, voilà. Et donc nous, on reste jusqu'à ce qu'on en ait marre à la soirée, quoi. Non, dès que Léonore sort, c'est que c'est fait. Mais elle peut pas sortir devant les gardes. Mais elle va vous rejoindre au bal masqué. C'est pour ça qu'elle a une deuxième tenue. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Enfin, on s'en va quand on retrouve Léonore et que le disque est bien... Océan Eleven. On fait Océan Eleven. Oui. Donc, votre plan étant au point, avec l'accord d'Estrelli qui va vous fournir tout ce que vous avez souhaité, les dagues, les grappins avec cordes, les tenues... Et s'il peut infiltrer des gens à lui ou payer des gardes ou des choses comme ça... Alors, il peut... La seule chose, c'est son majordome qui, donc... le majordome, en fait, d'Estrelli a l'habitude d'être vu au palais des doges. Il connaît un petit peu les gens, peut éventuellement aller discuter avec les domestiques et voilà. S'il y a quelques rumeurs, trucs comme ça, il peut vous informer. Il peut pas mettre un petit peu de poudre laxative tant qu'il y est, non, il peut pas. Donc, votre plan étant fait, peut-être vous voulez prendre un peu de sommeil, là, vous pouvez quelques heures. Donc, Destrelli vous ramène, de toute façon, il rentre avec vous. Donc, vous pouvez prendre quelques heures de repos. Est-ce que pendant toute la journée qui va suivre, en sachant que ce n'est pas ce soir le bal. Bal masqué, c'est le lendemain. Oui, moi j'ai quelque chose à faire. Il faut que je m'entraîne à la gondole et puis que je vérifie tous les canaux, les endroits où on peut éviter d'être poursuivi. Enfin, il faut que je repère les lieux, quoi. D'accord. Et puis donc que je tu trouve vas, un endroit. Tu vas déjà vérifier la gondole qu'on t'a accordée hein, pour voir si. Alors, du coup, on te suggère de mettre l'habit qui va avec la gondole. Hein. Oui. Du gondolier avec un petit canotier. Voilà. Oui. Pantalon un petit peu serré, tout ça. Le t-shirt à rayures. Et du coup, tu commences à prendre en main la gondole. Finalement, tu t'aperçois que ce n'est pas si difficile. Tu comprends bien qu'il y a un espèce de système de rail en fait qui guide la gondole dans l'écrime. Qu'il y a un coup de main à avoir pour diriger avec la perche en métal. L'aiguillage.
Parce qu'en fait, tu dois, c'est une espèce de petite gaffe et tu dois accrocher, décrocher le câble de ta gondole et le réaccrocher quand ça tourne, en fait. Mmh, c'est ça. Mmh. Ça demande un petit coup de main. Mmh. Donc, tu vas sûrement passer toute la journée à t'entraîner à la gondole. Exactement. Et à repérer des petits canaux qui permettraient d'éventuellement semer des poursuivants. D'accord. Donc ça, tu vois que c'est une sage précaution parce que parfois, en fait, non, c'est des cul-de-sac, ça passe pas. Donc je pense que ton trajet que tu essaies de repérer, c'est du Palais des Doges jusqu'à Destrelli. Enfin. Non, je voudrais pas mettre en. Aller plus loin. En difficulté, mon correspondant. Oui, ailleurs. On peut convenir ensemble. D'un palais des Doges à un autre. On fait le tour du palais des Doges. Voilà, on fait le tour. Faire le tour du... Voilà, alors ça, c'est facile. Mais effectivement, c'est l'éloigné. Tout autour du palais des Doges, tu sillonnes un petit peu pendant la journée avec ton... Ouais, ça me va. D'accord, donc ça, trajet gondole, ça c'est fait. Donc les autres, qu'est-ce que vous faites pendant la journée ? Eh ben, moi je me repose. Je fais rien. Je me repose et puis j'ai... Est-ce qu'on fume dans les cris ? Tu peux fumer des trucs, ouais. Ça dépend si c'est juste pour le plaisir ou tu peux fumer. Tu as des espèces de mousse qui se fume, donc c'est plutôt dans une pipe. Non, mais je demande à. Faut trafiquer le chanvre pour que ça ressemble à une espèce de cigare que je ferai semblant de fumer pour que ça fume devant les convives, devant les gardes. Tu demandes ça au majordome qui va te dire que, ben oui, d'habitude c'est pour les hôpitaux. C'est du chanvre, voilà, il va t'en fournir et tu feras tes cigares. Pour le mélanger avec autre chose pour que ça cache un peu l'odeur. Alors, tu fais tes mélanges, tu passes ta journée à fabriquer tes cigares artisanaux. Ouais. Donc si tu fumes un peu dans la maison, vous allez tous être un peu sous l'effet de ces étranges cigares. Ça va être super. Voilà. Ok, donc toi Ferdinand, qu'est-ce que tu fais du coup? À Florian, tu peux t'enlever tes blessures parce que t'avais... S'il y en avait d'autres qui avaient des blessures légères, après le repos, c'est bon, hein, je ne me souviens plus. Amelin, par contre, Philomène, ça t'en enlève un petit peu, mais t'en as encore beaucoup. Donc, De quoi donc ? Des blessures. T'as je suis encore blessé ? Oui, parce que tu sais, c'est ta jambe. Ah, c'est ma grave blessure. Qui n'est même pas notée tellement elle est grave. En grave blessure au lieu d'être en majeur maintenant, mais bon, tu sais qu'il faut encore un peu de temps. Ah, ok. C'est un peu mieux parce que tu as moins de malus que. D'accord. Tu m'as dit Ferdinand, j'ai pas entendu. Du coup, je vais me reposer. Et de toute façon, demain, je vais accompagner Florian, voilà, qu'il soit pas trop. C'est-à-dire qu'il y en a qui doivent rester sobres. Hein. Oui. Et je pensais je pourrais prendre avec moi les éventuels laxatifs et peut-être si j'ai l'occasion peut-être en glisser si jamais il y a des gardes qui mangent quelque chose ou qui boivent quelque chose peut-être pour faire une double distraction. Dans le verre de l'autre doge, là ça sera rigolo ça. Oui. Après là où tu vas être, ça va être la salle de réception plutôt pour les courtisans, le doge. Tu sais que les gardes, en fait, comme l'a dit Philomène, ils mangent, mais dans la salle des gardes en bas. À moins que tu veuilles te grimer en garde et aller faire un petit tour aujourd'hui, ce que tu peux tout à fait faire, hein, si tu souhaites. Et je n'ai pas vraiment la corpulence d'un garde. Ah, c'est l'uniforme qui fait... Ça dépendra de tes... Oh, il suffit que j'en mette dans quelques convives. Tiens, pourquoi pas dans... Effectivement, une bonne idée, Florian, de mettre dans le doge un peu... Hein. Je ne me souviens plus du nom. D'accord. Qu'il soit un petit peu malade. Oui. Tu prends, donc, pas ça va être drôle. Oui, il faut qu'il y en ait plusieurs pour pas qu'il ait l'impression d'avoir été ciblé, tu vois. Il faut commencer par un autre. Et puis, moi, il faut se dire, bon, c'est le pâtissier qui va prendre, mais c'est pas grave. Oui. Donc, tu peux préparer ça. Donc, peut-être le mettre de façon discrète, coudre dans ta manche. Des petites poches. Je sais pas si ça existe, mais je pourrais avoir une chevalière porte-poison. Mais sauf que je mets du laxatif dedans.
Ah, tu peux, mais tu ne pourras pas mettre beaucoup dedans. Sinon, je te disais, oui, éventuellement, tu peux coudre dans le revers de ton vêtement des petites poches où tu mets du poison. Et il suffit que tu secoues un peu ta manche au-dessus d'une manche. Ça te demandera un peu de temps à préparer, mais c'est faisable. Alors que la chevalière, il faudrait que tu la trouves, ça va être un peu plus compliqué. Bien qu'il y en ait. D'accord, bon, ben, je vais faire ça. Bien qu'il y en ait à Venise, hein, mais... Je vais acheter de la gelée d'épiphyte. De la gelée d'épiphyte, d'accord. Le beau dessert à la gelée d'épiphyte. Tu peux même demander au majordome qui t'en prépare, hein, si tu souhaites. Ah. Merci, Téganon. Et du coup, il va te préparer... Alors, Donc, en fait, il va faire un bâtiment en gelée d'épiphyte, je ne sais pas, le théâtre le palais des 107 théâtres en gelée, tu vois. Peut-être, on va dire, quelque chose de transportable, parce que notre chère Éléonore va devoir le déposer sur le bureau ou dans le salon du Dodge Olzano. Et après ? Avant de repartir. Bah juste en guise de signature et de remerciement du docteur du Dodge Faleo. Donc dans ce cas, tu veux qu'il le fasse en forme du symbole de la... Du disque. De la lettre ? La lettre. D'accord. Allez, il se lance, il retrousse ses manches et se lance... Ah, tu veux vraiment signer le méfait ? Ben oui. Alors, le gâteau. Attention, parce qu'on a pas, si on ne trouve pas les preuves de son implication. Donc votre plan est parfait. Ouais. C'est bon pour ça. Donc votre plan est fin prêt. Le soir arrive. Est-ce que vous voulez faire... alors ce que je vous propose, c'est soit vous me dites si... Si vous voulez faire quelque chose ce soir-là, sinon on fait une ellipse et on arrive directement à la soirée du bal costumé. À moins que vous ayez besoin de faire quelque chose encore. De nuit ou de jour. Hein. Éventuellement encore. De l'entraînement. De toute façon. Pardon ? De l'entraînement sur gondole ou... Non. Un vêtement discret, c'est-à-dire noir, parce que de toute façon il fera nuit. Je dirais même presque la. Gondole, elle devrait être noire aussi, mais donc peut-être que je vais passer un petit moment à la repeindre. Non, parce que quand on va arriver, ça va être qu'un. Alors, les gondoles noires, normalement, c'est celles des doges. Ah. Non, vaut mieux la peindre pour qu'elle soit le plus inaperçue possible, comme les gondoles de taxi. Ouais, il faut qu'elle soit anonyme, ouais, tout à fait. Alors, je sais pas de quelle couleur elle soit. En plus de ma tenue de gondolier. Tu m'as dit qu'on tenue. D'accord. Et donc, on fait une petite ellipse, si ça. Et on arrive le grand soir. Les invitations sont prêtes. Ferdinand et Florian ont de magnifiques tenues de courtisans nobles avec plein de froufrous, de rubans, petits pantalons moulants et serrés, chaussures et à escarboucles, perruques et voilà, beaucoup de dentelles et leurs masques, puisqu'il faut avoir un masque. Alors, je ne sais pas si vous avez choisi des masques particuliers ou si vous mettez vos masques. Oh, moi, j'ai toujours le mien. Je sais plus ce que j'avais. Ah oui, je l'ai perdu, mon masque. Il me faut un masque... un masque prêté, quoi, parce que je n'aurais pas le temps d'en faire un. Un masque prêté par Destrelli, hein. Donc, tu as un masque du renard. Un masque de renard. Oh, ça me va bien. Avec bien plumes et perles, hein, bien évidemment. Donc, à l'heure dite, c'est-à-dire la soirée commence en fait quand le jour commence à tomber, vous présentez du côté des invités, et il y a une foule de courtisans qui n'est pas négligeable, de très belles jeunes femmes, de très beaux jeunes hommes, et puis des moins jeunes et des moins beaux, et des... voilà. C'est tous masqués, on ne peut pas savoir s'ils sont beaux. Alors par contre, tu vois, par rapport à leur parure, etc., tu vois quand même s'ils sont jeunes ou s'ils sont vieux, hein, parce que vu que les bras sont dénudés pour les dames... Bref,
vous rentrez dans la grande salle de réception où il y a au fond de quoi se rafraîchir et manger un peu, mais surtout c'est pour écouter de la musique, puisque c'est une réception de la note. Donc il y a un orchestre de chambre d'un côté avec un quatuor qui commence. Et puis il y aura sûrement des danses dans la soirée. Pour l'instant, c'est plutôt les gens qui parlent les uns avec les autres. Un badinage léger pour les uns. Clairement, ce n'est pas une soirée sérieuse. Quand les soirées sont masquées, ça veut dire qu'il n'est pas lieu de parler de sujets, ni de politique, ni de choses qui fâchent. Mais au contraire, de se délasser en invitant de jeunes demoiselles à danser ou alors en profitant de la musique qui vous enchante plus au point. Vous êtes à peu près, il y a bien une cinquantaine de personnes, ce qui fait beaucoup parce que l'espace n'est pas très grand. Vous êtes tous rentrés sur invitation. Il y a effectivement deux gardes à l'entrée qui vérifient les invitations de chacun et de chacune. Donc vous êtes dans la place. Vous repérez sans aucun mal le doge Alzano qui salue certaines des gens qui doivent reconnaître malgré les masques et qui va dire de temps en temps quelques mots aux musiciens. Pendant ce temps, vous avez... donc je pense, Philomène, toi tu es restée du côté des gondoles dès à présent. C'est ça. Donc tu vois que dans les gondoles des doges, il y a aussi du monde, hein, ils sont en train d'attendre au cas où on s'appelle. Donc... Oui, voilà, il y a le gondolier. Pas tout seul. Hein. Mm-hmm. Mais je sais pas si je vais rester à côté d'eux. Enfin, je pense qu'on a convenu d'un endroit ou plutôt discret. C'est-à-dire que si jamais on doit repartir, ou si je dois partir tout seul, ben, vaut mieux que les personnes. Tu peux être du côté du balcon, etc., du doge de... Voilà, du côté du balcon, ça me va bien. Okay. Donc tu fais peut-être quelques allers-retours de temps en temps, enfin voilà, tu fais style que t'es occupé alors que non, pas du tout. Vous auriez pas vu mon client. C'est ça, tu attends peut-être en soufflant, là, on peut pas leur faire confiance, ils sont jamais à l'heure, c'est noble, des vrais enfants gâtés, bref. Et Éléonore et Hamelin, donc peut-être le plus discret pour vous, c'était de passer du côté du doge de... Oui. Par le jardin. Ce qu'il nous avait dit, oui. Jardin, tous les deux, donc habillés de façon discrète, je suppose. Oui. Oui. Est-ce que ça serait pas mieux d'attendre que la soirée un peu plus en plein, parce que là, ils sont juste au concert. Hein? Oui, on commence à badiner avec... Voilà, on va attendre qu'il y ait les danses, les choses comme que les gens se mettent à danser, les choses comme ça. On commence à faire fumer mon cigare, hein, histoire de commencer à mettre l'ambiance, là, sous les musiciens. On va attendre un peu, on va pas agir. Avec les femmes, les filles avec qui je danse, les hommes avec qui je discute. Badinage et gaudriole, voilà. On va attendre le début. Amelin et Léonore, vous avez des bancs en fait dans le jardin, certains qui sont dessous des petites tonnelles. Vous pouvez tout à fait rester discrètement là pendant une heure ou deux si vous souhaitez. Voilà, parfait. Ouais, ouais. On va attendre que on a un peu de poudre par là, un petit peu de fumée par-ci, un petit peu de fumée par-là. Oh pardon, je vous avais marché sur le pied. Ah, voilà, des choses comme ça. Pendant qu'elle ouvre la bouche, hop, un petit coup de fumée. Dans ah ouf. Il va être beau. Du coup, on retourne à la salle de bal. Est-ce que, Ferdinand, tu veux mettre ton plan en œuvre avec ta poudre laxative? Oui, je jette mon dévolu sur ce qui semble être un ponche, on n'a qu'à dire. Mm-hmm. Et hop, là, une petite dose. Et puis, je viens vers Florian, essayant de pas trop respirer, parce que bon, faut quand même que... Voilà. Et je lui ai dit de pas prendre du ponche. Non. Puis je vais commencer à aller parler avec les gardes. Ah, elle est belle, votre épée, et tout. Vous vous entraînez, ou tout ça. Hop. Donc, ça, tout en... en mettant sous le nez. Fais-moi un test de créativité, Ferdinand. Vas-y, fais-nous un test de créativité.
Ah. Et bon, bah, c'est pire. Alors, le problème, c'est que tu renverses toute la... le sponge sur la nappe. Donc, des serveurs empressés bon, bah, c'est fait, viennent esponger. Malheureusement, ton plan n'a pas tout à fait marché. Alors après, ça fait bien une diversion, hein, proprement parlé. Oui, mais... au final, c'est le résultat. Tu te dis que décidément, tu t'es un peu empêtré dans ces vêtements dont tu n'as pas du tout l'habitude. Et du coup, ben, autour de toi, tu as des rires discrets et moins discrets des dames qui t'ont vu faire, qui pensent que tu as trop abusé de la boisson en question. Je n'ai même pas bu. Donc, quant à Florian, eh bien, tu te fais inviter par une dame à la poitrine généreuse qui te serre contre elle. Donc, il profite de ta fumée et plus elle profite de la fumée, plus elle est détendue et elle t'enlace de plus en plus étroitement. Et... Dansons ensemble, madame. Vous tournoyez au gré des valses et des... Et là, pendant qu'elle tournoie, hop là, je la jette sur la table où il y a le gâteau. Tu l'as fait tournoyer et donc dans un grand fracas de vaisselle brisée. Oh pardon, le gâteau, tout ça. Pauvre donzelle finit les fers en l'air, dévoilant son dessous et sa robe. Elle en perdra son masque d'ailleurs, qui sera un petit peu... C'est là qu'on va intervenir. Là, faut y aller, là. Alors peut-être que du bas, vous entendez un grand fracas. Oui. Voilà, bœuf. Mais là, on va se mettre, on va intervenir, hein. Oui, je pense qu'ils sont prêts. Je pense qu'ils ont tout préparé pour nous. Ouais. C'est vrai que le cristal, ça porte loin, le bruit. Surtout que les fenêtres sont vertes, hein, parce que. Bah, ouais, c'est ça. Cool, on entend les. Tu. Oh, je suis désolé. Deux gardes. Tu as deux gardes en fait devant. Ouais, bah, essaye de les contourner. Et du côté du plus loin de, du balcon, dans le coin. Alors, peut-être. Au côté opposé, tu allumes ton petit pétard. Et je le lance dans un près du mur. Donc ça fait effectivement un gros bruit que vous entendez également dans la salle en haut, hein, Ferdinand et Florian. Peut-être même Philomène, vu que t'es pas si loin que ça. Donc vous le prenez peut-être comme le signal, enfin vous entendez ce bruit. Moi je me remets debout sur ma gondole. Je remets mon canotier en place. Léonore, tu veux en profiter pour grimper au niveau du balcon. Oui. Ferdinand et Florian, qu'est-ce que vous faites quand vous entendez ce bruit? Donc il y a un petit temps d'arrêt en haut quand même, ça ressemble à un bruit. En fait, ça ressemble à un gros coup de feu quand même, hein, de l'extérieur. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Des feux d'artifice? Qu'est-ce que vous faites, Ferdinand et Florian? Ça rien. Allez, continue à danser. Musique, musique. Ok. Donc tu continues en fait à détourner l'attention de toutes les portes. Voilà. Donc en fait, les gens vont plutôt regarder Florian et en fait Ferdinand, tu vois que en fait les gens sont rarement du côté des appartements du Doge, du coup, parce que Florian, il fait bouger un peu la foule, hein, en faisant des danses un peu étranges. Je danse, ouais, je danse et je fume. Ok, et je suis aux aguets, je vérifie Florian. C'est le cigare qui fume tout seul la plupart du temps, je le mets rarement à la bouche, hein, je vais dire. J'aime pas ça. C'est à toi de jouer. Oui. Amelin, tu vois les gardes qui courent du côté du pétard, en fait. Ils cherchent en fait quelqu'un ou quelque chose. Bah, c'est très bien. Tu les surveilles du coin de l'œil. Voilà. Pour l'instant. Ouais. Ça marche. Donc Éléonore, à toi de jouer. Donc corps des grappins, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc là, cette fois-ci, tu vas me faire un test d'athlétisme déjà. Pas besoin de discrétion parce que ils sont occupés. Donc 11. Alors. Tu trouves ça plus difficile que ce que tu aurais cru, parce que le grappin est plus lourd. Tu arrives à accrocher la corde. Tu vas réussir à monter. Par contre, quand tu arrives en haut, le balcon et la fenêtre du bureau est grand ouverte. Oh mince. Je me mets sur le côté, tu sais, de la fenêtre pour pouvoir voir sans être vu. Le bureau est retourné. Oh. Fond en comble. et il n'y a pas quelqu'un
dû être là avant toi parce que tu as plein de trucs, des tiroirs ouverts, des choses qui étaient renversées et tout ça. Et moi, j'ai rien vu. Non. Non. Alors, attends, on fait. Tu vas peut-être voir, peut-être. De quel honneur tu vois ça, surtout. Donc, tu t'aperçois, zut, quelqu'un est passé avant moi. Ferdinand et Florian détournent l'attention de tout le public de la salle. Donc, Hamelin, tu vois les deux gardes qui vont chercher des grosses lanternes et qui commencent à éclairer le jardin. Ah ! Pour chercher partout. Donc, tu sais que si tu restes là, ils vont forcément te voir. Est-ce que tu veux faire quelque chose, te préparer d'une façon comme d'une autre ou... J'essaie de revenir vers le doge, chez le doge Estrella. Ah, tu te replies du côté du ouais. Doge des lettres. Des lettres, ouais. D'accord. Donc, tu vois, ils cherchent, ils ont allumé, ils sont allés chercher deux autres gardes, donc ils sont quatre à présent. Et ils patrouillent avec des grosses lanternes pour essayer de voir comment c'est possible qu'il y a quelqu'un qui a tiré un coup de feu, parce qu'ils pensent que c'est un coup de feu, tu les entends. Hein. Mmh. Donc, Éléonore, dans le bureau, qu'est-ce que tu fais? J'écoute déjà pour voir s'il y a encore quelqu'un de présent. D'accord. Ou pas. Du coup, cette fois-ci, c'est un test de maraude. Dis-moi juste ton résultat. 10. Je regarde autre chose. Franchement, t'entends rien. T'es pas. Tu penses pas qu'il y ait quelqu'un. Tu l'aurais vu quand même. D'accord. Même si la fenêtre est ouverte. Tu vois pas grand chose. Alors, je vous abandonne tous pour retrouver Philomène. Philomène, t'es prêt à partir. Tu oui. Sens qu'il y a quelqu'un qui. Tu vois une silhouette sombre qui se faufile dans les ombres, qui court dans ta direction avec quelque chose sous le bras, qui saute dans ta gondole et qui te dit « C'est bon, on peut y aller !» C'est une voix d'homme. Et que je ne reconnais pas du tout, et je ne reconnais ni alors, la voix ni le visage. Le visage, tu ne vois pas parce qu'il a une tenue qui camoufle un peu avec un loup noir. Est-ce que tu peux reconnaître la voix? Est-ce que tu peux reconnaître la voix, Philomène? Je sais pas. Je sais pas trop comment ce que te faire comme test en fait. Je me ah dis. Créativité. Ouais, allez. S'il y a pas de chance, s'il y a pas, puis y a pas vraiment. Il n'y a pas physionomiste. ça va arriver. 7. Non, tu sais juste que c'est un homme. Il roule bizarrement, ses dés, des fois. Il est coincé. Tu sais juste que c'est un homme. Il te presse, il te dit, mais allons-y, il ne faut pas traîner. Ok. Je laisse passer à l'avant, et puis moi, je commence à me mettre à l'arrière pour pousser... Pour pousser la gondole. Et je m'éloigne dans un endroit, c'est-à-dire ça peut être dès le départ, dès que, on va dire, il y a un endroit où il n'y a pas grand monde, je donne un grand coup de perche sur son cou pour la sauver. D'accord, ça marche. Alors je te laisse faire ça parce que tu t'éloignes un peu, je ne vais pas le faire en plein du palais du Doge. Ok. Voilà. Pendant ce temps. Donc, Éléonore, décidément rien. Du coup, tu fouilles un petit peu. Oui, bah oui, quand même, oui. Je vais fouiller. Tu trouves pas ce que tu cherches. D'accord. Du coup, je vais prendre 5 minutes là pour me changer au cas où quelqu'un entre ou. Donc, je vais mettre ma robe et mettre mon masque. Et puis voilà, comme ça, si jamais je croise quelqu'un, j'expliquerai que je trouverai une raison. Je cherche les toilettes. Voilà, c'est ça, je me sens pas bien. Le problème, c'est qu'au moment où tu veux sortir pour rejoindre la salle de réception, la porte est verrouillée. Ah. La porte est verrouillée. Mais peut-être que ce n'est pas un problème pour toi. Ceci dit, en bas, Hamelin, caché du côté du palais
de la lettre, tu vois qu'il y a eu 5 nouveaux gardes en renfort et qui s'interpellent, qui disent il faut trouver l'intrus, quelqu'un a pénétré dans le palais des doges, il faut que les gens montent là-haut parce que si ça se trouve, et ça va être un attentat, ils vont essayer de tuer le doge Alzano ou un des autres. Vite, vite, et tu vois une patrouille de 5 gardes qui monte et qui va du côté de la salle de bal. Ferdinand et Florian, vous entendez du bruit, les portes s'ouvrent et vous voyez des gardes qui font irruption. Éléonore, la porte est fermée. Veux-tu essayer de l'ouvrir ? Ou passez pas ? Non, non, je vais essayer de l'ouvrir. Fais-moi un test de maraude. Douze. Parfait. La porte s'ouvre. Ouvre et tu vois par chance tous les invités qui regardent l'entrée principale au moment où les gardes arrivent. Ah, bah parfait. Je me glisse et j'essaye de retrouver Florian et Ferdinand. Alors, c'est pas très difficile de trouver Florian. Oui, Ferdinand, non, il est un peu en retrait, discrètement. Oui. Il fait un peu, tu sais, il se met un peu contre le mur, tout ça, et il est pas trop à l'aise, clairement. Ok. Les gardes arrivent dans la salle et puis ils vous disent il faut évacuer les lieux. Et ils viennent encadrer le doge Olzano et ils lui disent écoutez, il faut vous mettre en sécurité dans votre bureau. Nous pensons que des intrus ont pénétré dans le palais et il s'agit peut-être d'anarchistes qui souhaitent votre mort. Et donc ils vont du côté du bureau du doge. Le doge s'interrompt, se retourne vers les gardes. Il dit « Mais la serrure de mes appartements a été forcée. Messieurs, vérifiez et sécurisez les lieux. » Donc les gardes rentrent et vous entendez « Oh, on a dévalisé les appartements du doge. Quelqu'un a tout pillé. Que se passe-t-il » Alors pendant ce temps-là, donc Ferdinand et Florian, bah voilà, c'est forcément Éléonore qui a fait... Oui, bah, comment ça s'en allait alors oh.